Eh bien, salut à tous, c'est LK, et aujourd'hui on se retrouve avec New Castlevania Adventure. Et oui, encore un autre fan game. Castlevania, c'est assez énorme. Mais il convient de relativiser, de nuancer ses propos. Pour moi, c'est plus une démo, parce que malheureusement, le jeu complet n'arrivera jamais, je pense. Il n'y a que le premier niveau. Voilà, c'est développé par Damaged Brain Sandwich. Voilà, ils ont créé le studio pendant le développement de ce jeu, et c'est des Français, c'est assez énorme, et leur prochain jeu, ils l'ont dit, sera un jeu, c'était un petit peu pour se faire un petit peu la main, tu vois, ce jeu. C'est un remake de Castlevania The Adventure hein, sur Game Boy, mais plus fidèle que The Adventure Rebirth hein, sur WiiWare, qui était, tu sais, c'est comme Metroid AM2R et Samus Return. Celui-là est plus fidèle, hein. Trop diront certains, parce qu'il n'y a pas les armes secondaires, etc. Vous allez voir. Bon, bonus, c'est pour avoir des images de la personne qui a créé le jeu, qui a été fait en 92, hein, apparemment, quand il était gamin. Il a fait des dessins pour mettre des astuces sur comment faire le jeu, tout ça. C'est assez énorme. C'était des trucs de l'époque, et on les débloque quand on finit le truc, mais t'as vu, je l'ai fait, il l'a pas gardé ici. À chaque fois qu'on lance le jeu, on a une animation, un château en CG, tout ça, assez long. Et le jeu est toujours en plein écran, donc t'es obligé de revenir dans les options, tout ça. Allez, new game. Et ça, c'est dommage qu'il y ait que le premier niveau. Oui, parce que j'ai tenté de faire cette vidéo deux fois, hein, déjà, ça c'est mon troisième essai. Attention, la chauve-souris fait partie des ennemis les plus chiants, on les voit à peine. Voilà, ça va vous poser des difficultés quand vous connaissez pas. Il y a quelques trucs qui vont vous faire péter un câble, il faut connaître, hein, avoir fait la démo, entre guillemets. T'as vu, il faut les tuer avant qu'elles te foncent dessus, hein, parce qu'elles sont... voilà, les upgrades, elles sont assez rapides, tout ça. Oui, première fois donc, ouais, bien, le fouet de feu. Première fois, essai de vidéo avec Bandicam, ça ramait de ouf, donc j'étais obligé de prendre Fraps. Tu sais, c'était pas fluide, hein, ça ramait en permanence. Après, j'ai pris Fraps, comme les modes Tomb Raider, c'était fluide la plupart du temps, mais ça cadait de ouf au bout d'un moment. Attention à la chauve-souris, là, en haut. Voilà, attention. Prends ça, et voilà. Donc, ben voilà, troisième essai avec DX Story. DX Story donc. Voilà. Donc, justement, je disais. C'est un petit peu comme les gens qui avaient fait FF7 Reimaginet. Hein. C'est pareil, il n'y avait que le premier niveau avec le boss. Ouais, voilà, regarde. Petite animation à la Conkers ou Earthworm Jim. Quand tu touches pas la manette quelques secondes, le héros joue à la Game Boy. Et oui. Avec le Castlevania. Ça, c'est énorme quand même. Le Castlevania The Adventure de l'époque, avec des sons 8 bits, etc. Voilà, parce que là, c'est une musique réorchestrée pour Battle of the Holy, la musique du premier niveau. Mais elle manque un petit peu de peps. Elle bouge pas assez, je trouve. Enfin bref, elle est un petit peu trop lente. La petite astuce que je vous donne, parce que ça aussi, ça va vous faire péter un câble. J'ai perdu je sais pas combien de vie dans ce saut à la con. Ne vous mettez pas comme ça, sinon vous allez vous cogner la tête et vous allez tomber. Parce que là, même s'il y a un niveau en dessous, le personnage va crever hein, si vous tombez, si vous atterrissez pas sur la plateforme. Donc mettez-vous à peu près ici. Ouais, là, comme ça, et on saute. Et c'est parti. Là, même là, c'était un petit peu limite. Voilà, bien. Alors regardez des yeux. Vous vous rappelez de ces ennemis là, on les voyait dans The Adventure Rebirth, justement. C'est vraiment un remake à l'identique, entre guillemets. Avec une nouvelle musique, nouveau graphisme, tout ça. C'est pas mal fait, hein, franchement. Mais il y a quelques défauts qui gâchent un petit peu le truc. Et pour moi, le plus gros défaut, c'est qu'il est pas complet. Voilà. C'est dommage, hein, franchement, de ne pas avoir fait le jeu complet comme ça, là, de n'avoir fait que le premier niveau. Parce que franchement, je vais appeler cette vidéo présentation, mais c'est plus une preview. Hein. Du coup, moi, je considère plus ça comme une démo. Mais étant donné qu'on n'aura jamais le jeu complet, voilà. Je pense, hein. Ah, attention, non ! Saloperie. J'étais en train de à moitié gratter le nez, là. Là, tu le payes au centuple, hein, quand tu perds un upgrade. Ouais, jauge de vie en haut à gauche de l'écran, les rectangles rouges. Les trois orbes verts, c'est là, je suis à 2 sur 3, vu que je viens de me faire toucher. Chaque fois que tu te fais toucher, tu perds une upgrade du fouet. Hein. Je suis repassé au fouet de métal.
voyez, parce que de base c'est cuir, cuir moustache, ensuite c'est métal comme ça là, donc c'est plus puissant, et ensuite t'as le fouet de feu qui est plus puissant et qui touche de loin avec la boule de feu, c'est assez énorme quand même. Ça. Mais il n'y en a pas tant que ça, hein, des upgrades du fouet, donc faut faire attention par rapport à ça. Bon, ça va bien jouer. Alors j'essaye d'être concentré parce que c'est pas facile. Ouais, bien joué. Vous allez vous faire tuer un nombre incalculable de fois. Vous voyez le score en bas à droite et le 3, c'est votre nombre de vie, mais en fait il y en a 4 parce que le 0 est pris en compte. Pas mal de choses en arrière-plan, premier plan, vous voyez l'araignée, tout ça. Et hop, encore un saut. Le rosaire, entre guillemets, l'espèce de crucifix là pour être invincible. Attention, ça dure pas longtemps, le temps de traverser ce truc, et ça y est. Bien, le cœur. Qui donc, du coup, dans cet épisode, vu qu'il n'y a pas d'arme secondaire, sert à, pour une fois, sert à vous soigner, tout simplement. Ça vous, il n'y a pas de gigot, hein, ça vous régénérez votre jauge de vie comme ça, du coup. C'est assez énorme d'habitude, c'est pour les armes secondaires. Le héros se déplace un petit peu lentement, je trouve. Mais ça va, on s'y fait. Et on finit par s'y faire, hein, vous voyez, de beaux effets de flamme, tout ça. Tous les défauts, on finit par s'y faire. Sauf le... Attention à ce truc, hein. Si jamais vous sautez ici, vous êtes mort. Voilà, parce que vous avez passé le truc, l'écran d'en haut, et vous allez retomber et vous allez crever, voilà. Donc pour se ramasser ce truc-là, c'est pas... voilà, vous allez arriver ici, et vous allez retomber immédiatement, et vous allez crever, on peut pas revenir en arrière, hein, vous voyez. C'est le truc, voilà, il faut le fouet de feu pour ramasser ce truc, c'est peut-être une vie, allez savoir. Ce chandelier, parce que je peux pas, hein. Et pour cela, là, vous voyez, ce genre de chandelier, il faut sauter et attaquer, hein, pour détruire cela, là, il faut toucher la flamme, hein, vous voyez. Prends ça. J'espère que je vais choper que je vais retrouver l'upgrade du fouet. Parce que dans ce jeu, attention, tu te fais toucher une fois, tu le payes au centuple, hein, c'était comme ça dans la version Game Boy aussi, je suppose, que j'ai pas fait, hein, ça fait partie des rares Castlevania auxquels j'ai pas joué. Parce que ça, c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme Metroid 2 qui était lui aussi sur Game Boy. Y jouer maintenant, c'est un petit peu compliqué, hein, avec les graphismes très old school, tout ça. Encore, il y en a, je trouve, ça passe. Et les graphismes Super NES, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Donc là, ça aurait pu être l'occasion, vous voyez, de faire celui-là. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ce sera pas le cas, hein, malheureusement. Il y aura que ce premier niveau et basta. Le L4 ne pourra pas faire une autre Odyssée. Eh oui. Pas sur celui-là, en tout cas. Mais il en reste d'autres, hein. Rassurez-vous. Au moins deux. Qui doivent sortir cette année, d'ailleurs. Plus tard dans l'année. Que ceux-là, on pourra les faire. Je ferai pas Bloodstained en Odyssée. Je le ferai en vidéo test. C'est un peu con, mais bon, c'est ce que j'ai décidé. Je préfère le faire dans mon coin, tranquillement. Attention, là t'as que très peu de temps, hein, et les sauts sont millimétrés, attention. Faut avoir vraiment le bon timing pour ces plateformes qui se détruisent. Hop. On a presque fini, hein, quasiment. C'est assez énorme de ce point de vue-là. Bon, ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça réussi, hein, au niveau de bien. J'étais déjà à fond. Mais si vous faites le jeu et que vous comparez avec cette démo, vous verrez que, vous voyez, ces plateformes en hauteur... Bien, l'upgrade du fouet, je vais essayer de la garder, on est à fond. Allez, sa saleté de chauve-souris, je vais me mettre ici. Ah, viens. Voilà. Les ennemis repopent, hein, notamment les chauves-souris, attention, hein, si je m'éloigne et que je reviens, elle aura réapparu. Alors, là aussi, t'as pas le droit à l'erreur, hein, heureusement que ça s'effondre pas. Hop, il y en a deux, hein, des séquences comme ça, il y en a une un petit peu plus tard. Et voilà, c'est celle-là, l'autre. Hop, allez, un de moins. Il y en a une autre là-bas, normalement. Voilà. Ouais, t'as vu que le fait d'avoir le fouet de feu, ça permet de te faciliter considérablement la tâche. Hein. Voilà, t'as vu, elle est revenue. Hop, alors attention, normalement. Si je fais comme ça. Attention! Je préférais me laisser tomber. Hein. Oh putain, non! Oh putain, heureusement, il y en a un autre ici. Mais là, t'as plus le droit à l'erreur, hein, Jackie. Waouh. Et le boss à la fin, bah, il est relativement costaud, donc attention. Mettre ici. Oh non, il y avait un putain de corbeau. Putain que c'est fourbe, t'as vu? Ok, d'accord. T'as vu, tu peux te faire chain très facilement. Ah ok, d'accord, il y avait un corbeau sous ce truc là. Derrière ce truc à la con là. D'accord, ok. Bah, t'as vu, en l'espace de quelques secondes, je me suis retrouvé avec le fouet de cuir. Autant dire que le boss, ça va être beaucoup moins facile. Hein, de se le farcir et voilà, il est là.
Thomas, justement. Et donc, ben, après le boss, que je vais pas vous montrer, on va s'arrêter là, ben, c'est la fin de la démo. Voilà, donc vous voyez... je sais pas si je vous l'ai dit, quand, à chaque fois qu'on lance le jeu, on a une animation en CG, avec un château en CG, qui dure assez longtemps, et qu'on peut pas passer malheureusement, à moins que j'ai pas trouvé la touche. Donc c'est un peu relou de se retaper ça à chaque fois. Et quand vous... Pareil, quand, à chaque fois que vous relancez le jeu, eh ben, il garde pas la sauvegarde, vous avez vu la progression, pour le voir le bonus. Mais vous pouvez le voir dans les dossiers du jeu, hein. Pas obligé de finir le jeu. Vous pouvez tricher, entre guillemets, comme ça, là. Et le jeu est en plein écran, de base, voilà. Donc à chaque fois, être obligé de revenir en 720p fenêtré, etc. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, on s'est pas fait tuer, là. Ouais, bah c'est très bien. On s'est juste fait toucher. L'honneur du L4 est sauf. Mais vous voyez, ça y est, c'est fini, hein. C'est un truc de 15, même pas 15 minutes. Enfin, ça dépend de première fois, ou quand tu connais. Évidemment, c'est plus rapide. Mais c'est dommage, ça, qu'ils aient pas fait le jeu complet comme ça, c'est énorme, hein. Sinon, je l'aurais fait en Odyssée, il n'y a pas de problème. Hein, Mais là, il faudra se contenter de ce premier niveau. Donc, encore une fois, leur prochaine, surveillez-les, hein, parce que c'est pas mal, hein, cette démo, c'est bien. Hein. C'est réussi, hein, de ce point de vue-là, quelques petits trucs à corriger, mais c'est bien. Hein. Pour moi, c'est satisfaisant, mais... c'est maîtrisé de ce point de vue-là. Et leur prochain jeu, encore une fois, ben, ce sera un jeu original. Voilà, pas basé sur une licence connue. Donc surveillez-les, hein, allez sur... Ils ont une page Facebook. Je sais pas s'ils ont un Twitter. Ils ont un site officiel. Encore une fois, le nom du studio, c'est Damage Brain Sandwich. Voilà, excellent nom. Et voilà, la naissance d'un nouveau studio indépendant. Ben, écoutez, c'est très bien. Moi, si vous connaissiez pas ni ce studio, ni ce jeu, il est sorti il y a 2 semaines. Hein, donc vous voyez, c'est tout frais. Encore une fois, je remercie la personne qui... je dis la personne à chaque fois, je sais qui c'est. Hein, mais dis-moi dans les commentaires comment tu veux que je t'appelle. Parce que je vais pas t'appeler par ton... Enfin, ou ton prénom, j'en sais rien. Un pseudo... c'est toujours le même, hein, qui me parle des fangames Castlevania, qui m'en fait découvrir, et c'est tant mieux, hein, parce que... Effectivement, je connaissais pas, hein, et ça permet d'avoir beaucoup de... La plupart, ça m'intéresse, hein. Ceux qui sont en 8 bits... ça m'intéresse pas trop, hein, ceux qui ont des graphismes NES ou Game Boy. Mais 16 bits, un peu comme celui-là, ben, c'est très bien. Hein, voilà, genre Super NES, genre le Card Chronicles, enfin ça c'est des trucs à la main. Mais voilà, c'est... Ah oui, autre bug, on l'entend maintenant là, hein, c'est pas moi qui ai coupé le son. Hein, des fois, un petit peu quand le jeu veut, ça arrive un petit peu de façon aléatoire, c'est un petit peu étrange, je sais pas si c'est un bug... où ça arrive qu'à moi. Parfois, ben, la musique se coupe. Voilà, il n'y a plus de son. Hein. Donc, plus d'effets sonores, tout ça. Ça arrive de façon un petit peu random, comme là. Hein. On n'entend plus rien, vous voyez. C'est assez étrange de ce point de vue-là. Mais sinon, pour le reste, c'est réussi. Hein. Essayez-le, si vous voulez, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que, malheureusement, du fait que leur prochain jeu, ce sera un jeu original, je pense pas qu'on aura la suite. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'aura que cet épisode 1. Le jeu complet n'arrivera certainement jamais, hein, je pense. Et ça, bah, c'est un petit peu dommage. C'est le plus gros défaut du jeu. Voilà. C'est même pas le son qui se coupe, tout ce que je vous ai dit. Mais là, je pense vous avoir vraiment tout dit, hein, pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à surveiller Damage Brain Sandwich. Moi, je vais les surveiller. Voir un petit peu... Ils sont tout frais, hein, ils viennent juste de sortir de l'œuf, hein, donc... Pour moi, c'est prometteur, ça peut être pas mal. J'attends leur prochain jeu, voir ce qu'ils vont nous sortir, et ben voilà, je vous laisse là. Moi, c'était L4. J'espère que vous avez apprécié cette découverte. Eh oui, si vous connaissiez pas. Ou, comme d'habitude, cette présentation, comme... si vous connaissiez déjà. Et ben moi, je vous laisse, voilà. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao, les amis.